Et yo les gars, c'est Lutrox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec la Saint-Etienne sur FIFA 23 les gars. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver en ce jeudi. Honnêtement, cette carrière, c'est la carrière que je kiffe le plus à tourner. C'est la carrière aussi que où il y a pas mal quand même d'engouement, j'ai envie de dire. Pour quelqu'un, enfin plutôt pour une chaîne comme la mienne. Donc voilà. Merci les gars, merci aussi pour vos retours sur le dernier épisode. Et surtout les gars, surtout merci pour les 300 abonnés les gars. Vous avez fait péter la barre des 300 abonnés. Et ça, je ne peux que vous remercier et j'en suis très reconnaissant. Et du coup, comme je le disais, merci aussi pour tous vos retours sur chaque épisode. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les joueurs que vous me proposez, pour me dire ce que vous pensez des épisodes. Enfin, franchement, c'est incroyable. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. On est parti aujourd'hui pour du mercato. Au programme, les gars, je vais vous mettre. Je vais jouer, pardon, 4 matchs. Je vais laisser. Deux matchs, je vais jouer plutôt. On va jouer Grenoble, donc un mini derby, hein, juste parce que c'est dans la même région. Mais pour moi, c'est pas un derby. Enfin, à proprement parler, un derby, souvent c'est quand t'es de la même région, quoi. Mais Saint-Et-Grenoble, voilà, le derby c'est Lyon, tout le monde le sait. Ensuite, on ira chercher Laval. Laval, je vous mettrai juste les buts du match. Ensuite, on ira jouer Bastia et Valenciennes. À savoir que je sais pas, soit je vous mettrai juste les buts de Bastia, soit je vous mettrai juste les buts de Valenciennes. Donc, je verrai. Mais au programme aujourd'hui, du coup, 4 matchs et du mercato. Vous m'avez proposé des nouveaux joueurs. On en a besoin. Au vu du dernier épisode où ça a été assez lamentable défensivement parlant, à noter que j'ai modifié la tactique parce que tout simplement, vous savez, je vous avais expliqué avec tout simplement l'erreur que j'ai faite au niveau de la sauvegarde. Du coup, j'avais perdu la carrière. Du coup, quand je l'ai relancé, j'ai vu que niveau tactique, c'était pas ça. Résultat, c'est bon, j'ai tout réglé. Espérons que ça change peut-être la donne. En tout cas, on va repartir sur notre 3-4-1-2. Espérons que cette fois-ci, il marche. On va partir, du coup, comme je l'ai dit, avec ce dispositif. Juste, je réfléchis si on ne titularise pas. Honnêtement, on ira faire les recrues juste après ce match. Mais pourquoi pas titulariser déjà tout d'abord un Zorgan à la place de Lobry en 6. Enfin plutôt en 8, il est pas mauvais. Mais Zorgan, je pense qu'il a un coup à jouer. Bangoura à droite, je vais le laisser pour qu'il apporte de la vitesse. Masson à gauche, c'est très bien. Al-Mouezali, je vais lui redonner sa chance. Et en défense, Petro, c'est vrai que j'étais pas trop fan. Mais on va partir comme ça les gars. On va partir comme ça pour ce premier match. Et tout simplement, je vous laisse les meilleures actions de ce match. Allez, à tout de suite. Pour Al-Mouezali. Al-Mouezali qui décale sur Zorgan. La frappe de Zorgan et la parade de Maubleu. Bangoura. Bangoura toujours. Bangoura qui se fait faucher. Et attention à la couleur du carton là. Parce que je me demande si c'est pas Michel. Ah, c'est rouge. Et oui, rouge pour Michel. En même temps, là, il a clairement découpé, il a démonté. Il a démonté notre pauvre Bangoura. Et Grenoble, maintenant, qui va jouer cette fin de match à 10 contre 11. On va essayer de faire un bon truc sur ce coup franc, c'est éclaté. Bref, Grenoble joue à 10 contre 11 avec Al-Mouezali, le Zorgan, le centre, corner. Allez, mon conduit. Cafaro. Briançon, la frappe de Briançon et l'ouverture du score, c'est contré par Son Yang et notre capitaine Anthony Briançon qui marque face à Grenoble. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, c'était Anthony Briançon qui avait marqué à Geoffroy Guichard. C'était pas dans les mêmes circonstances, puisque
C'était pas le premier but du match, mais il marque quand même dans le même match. Bref, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on ouvre le score. Je pense honnêtement que heureusement que la frappe est contrée. Sinon, je pense que Maubleu allait capter le ballon sans aucun souci. Mais le plus important, c'est qu'on ouvre le score. Et surtout, ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Étienne. Avec Jean-Philippe Crasso, Almoez Ali, allez Masson. Masson, la frappe de Masson, l'arrêt de Brice Maubleu. Si je me trompe pas sur son prénom, je crois bien qu'il s'appelle Brice. En tout cas, on mène 1-0 à la mi-temps. Honnêtement, je vous le dis, je suis très satisfait de cette première mi-temps. Honnêtement, là, j'ai une vraie première mi-temps d'une équipe qui joue la montée en Ligue 2. Parce que, enfin, la montée en Ligue 1, mais une équipe de Ligue 2, pardon, je me suis mal exprimé. Mais là, je vous avoue que franchement, c'est vraiment très intéressant. Offensivement, il y a vraiment beaucoup de situations. J'ai demandé à mes pistons d'être offensifs, mais de bien revenir en défense. C'est ce qu'ils font. Bien joué, mon conduit. Ça permet d'avoir quand même beaucoup plus de situations. En plus de ça, défensivement, je vous le dis, Giraudon, il fait un très gros match. J'allais dire, il sort un très gros match, mais non, il fait un très gros match. Zorgan, pourquoi pas de loin, l'arrêt de Maubleu. Mais vraiment, défensivement, on a une réelle solidité. Et c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça va continuer sur la deuxième mi-temps. Dommage que le corner soit pas hyper bien tapé. Cafarol extérieur, dommage. Avec Léo Petro. Pour Thomas, mon conduit. Cafaro qui enroule, ça passe juste au-dessus. Anani. Anani, attention, Anani. Attention. Oh, il frappe à côté. Oh, le raté. On est vraiment chanceux hein, sur ce coup-là. On va faire les changements. On est vraiment chanceux parce que là, il y a une réelle occasion de but pour Anani. Je sais pas par quel moyen il ne trouve pas le cadre. Ça nous profite. On va faire rentrer notre petit Imanaki. On va faire rentrer Wadji à la place d'Almoez Ali. Encore une fois décevant malheureusement. Je vais faire rentrer Dylan. On va faire rentrer Dylan en 10. Et je vais également faire rentrer peut-être Benjamin. C'est vrai que non, j'ai un très bon match au milieu de terrain. Donc non. Pourquoi pas faire rentrer Lenny, mais non. Honnêtement, je vais pas chercher à donner du temps de jeu. On a une réelle stabilité pour l'instant dans ce match. Donc on va essayer de la conserver, juste faire les changements nécessaires et on va certainement pas utiliser la totalité de nos changements durant cette rencontre. Mon conduit qui se projette avec Jean-Philippe Crasso pour Wadji. On décale côté droit avec Aïmanaki. Aïmanaki qui temporise tranquillement avec Ibrahima Wadji pour Dylan Chambaud. Dylan Chambaud toujours. Dylan Chambaud. La tête de Jean-Philippe Crasso hors-jeu. Dommage, but hors-jeu. Bien évidemment, donc but refusé forcément. C'est dommage parce que là, il y avait une belle action. C'est comme ça, juste essayer de ne pas regretter cette position d'hors-jeu. Et je veux dire par là, tout simplement, essayer de ne pas se faire égaliser. Ce serait dommage parce qu'on pourrait avoir des regrets. Pérez avec Ngando pour Gaëtan Paquet. Pérez toujours qui joue avec Anani et Petro qui fait barrage. C'est bien joué. On a la 89e minute de jeu. C'était peut-être la dernière attaque. Et on part en contre avec Jean-Philippe Crasso. Allez, zipper. Zipper la frappe. Et non, il est rattrapé. L'arbitre qui va certainement siffler la fin de match. Excusez-moi. J'ai bégayé. Quand j'ai annoncé une contre-attaque de Crasso, je sais pas. Je me suis dit, allez, ça va être bon. Mais on s'impose 1 à 0. Ça fait extrêmement plaisir. Tout d'abord, parce qu'on s'impose. Mais surtout, on n'encaisse pas de but et ça, c'est un très bon point positif. Donc voilà, victoire 1-0 face à Grenoble. Cette victoire fait du bien non seulement sur le point comptable, j'ai envie de vous dire, parce qu'on prend 3 points, mais aussi dans la tête, parce que dans la tête, prendre 3 points, c'est pas négligeable, surtout dans la situation dans laquelle on était, mais surtout, ce qui est bien niveau mental, c'est qu'on n'encaisse pas de but. Donc pour le défenseur, je pense que ça va réellement faire du bien.
Donc voilà, au classement, on remonte à la 11e place. Je pense qu'on doit pas être loin non plus du haut de tableau. On va directement aller enchaîner sur du mercato, les gars. Je vous le dis, on va directement partir sur du mercato. Alors, ici, vous m'avez trouvé, je vous montre trois joueurs qui m'ont été proposés. Après, dans tous les cas, tous les joueurs qui sont ici m'ont été proposés. En revanche, là, c'est trois joueurs qui m'ont été proposés sur le secteur défensif. Et on a réellement besoin d'avoir un apport. Je vous le dis, les deux joueurs les plus intéressants, c'est Youssouf. Je ne vais pas dire son nom de famille, sinon je vais lui manquer de respect. Donc voilà, on va l'appeler Youssouf. Et sinon, on a Ayam, pardon, j'allais dire Aymen ou Ayman, mais non, Ayam Ouzou. Donc là, on a deux joueurs très intéressants, deux joueurs. Ouais, un 86 pour lui, un 83. Deux joueurs assez solides. Par contre, lui, je vois qu'il a contribution offensive élevée, contribution défensive moyen. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais vous donner leur note générale. Donc pour Youssouf, on est sur du 72 de note générale et un potentiel de 80. Donc c'est tout à fait convenable, même plutôt intéressant. Et Ouzou, c'est du 70, 78 de potentiel pour 73 de général. Donc un petit plus 1 de Ouzou niveau général, mais Youssouf a un meilleur potentiel. Niveau valeur, on est du sur 4, 4,2 millions pour Ouzou, contrairement à Youssouf qui est sur du 4,9 millions. Donc voilà, après on a un joueur du Burundi contre un joueur suédois. Niveau réalisme, je pense que... Niveau réalisme, honnêtement, je sais pas lequel je prendrais. Moi, personnellement, si ça me tenait qu'à moi, je serais certainement peut-être allé chercher un Youssouf que je vois mieux évoluer à Saint-Etienne que Ouzou. Il est au Slavia. Si je me trompe pas, le Slavia, ils sont en Europe. Hein. Enfin, pas en Europe, pas dans le sens géographiquement parlant. Dans le sens, ils jouent l'Europe. Je sais pas. Après, vous allez me dire, Wadji, il jouait l'Europe aussi. Je suis tout à fait, pardon, d'accord avec vous. Après, Youssouf, je sais pas, je le vois mieux évoluer à l'AS Saint-Etienne. Niveau budget, je me rappelle même plus on a combien, parce que tout va dépendre du budget également. Niveau budget, on a 5 millions. Ce qui veut dire que ça va passer tout juste. Clairement. Si on prend, ouais, si on prend Youssouf, on va tenter. On va tenter Youssouf, mais ça va passer de justesse, à mon avis, si on parvient à l'avoir. On va tenter Youssouf. On va tenter Youssouf. Après, si on ne l'a pas, on ira essayer d'aller prendre Ouzou. Je vais faire une première offre à 4 millions. Je sais que c'est extrêmement risqué, mais vu le budget qu'on a, je peux pas me permettre de mettre des grosses sommes. Non, Masson, ça reste chez nous. Masson, ça reste chez nous. Je repropose une nouvelle fois 4 millions. 6 millions 2, ouais, 6 millions 2, ce sera clairement pas possible. Je pense que les négociations vont être annulées parce que si je propose 5 millions, on va regarder ensemble, mais si je propose 5 millions, je pense très sincèrement que niveau salaire, ça ne passera évidemment pas. Donc je peux faire une nouvelle offre à 4 millions 5, mais clairement ça ne passe pas. Ah si, 4 millions 5, c'est accepté pour Youssouf. On va aller voir si on peut négocier son salaire. Mais je pense que même niveau salaire, ça va être très compliqué. Je suis pas sûr que ça passe. Sinon, comme je l'ai dit précédemment, on se repliera sur Ouzou. Crucial, si 13, 4 salaires, normalement, ça passe. 5 ans, à mon avis, si, non, ok, je pensais qu'il allait refuser. C'est parfait, aucune clause. Niveau salaire, si je lui fais sauter, ça prime pour un clean sheet. Si je soumets l'offre à nouveau, Youssouf et Stéphanois. Par contre, les gars, du coup, c'est la s'offre. Ah, mais non, c'est vrai. J'ai Charles Abbé qui part, les gars, pour une somme de 2 millions d'euros. Donc, il y aura peut-être un dernier coup à jouer, sachant que j'aurai pas vos retours. Voilà, donc, on l'a là. Il part pour 2 millions 100.
Donc c'est quand même une somme très intéressante, surtout pour un joueur comme Charles Abbi. Voilà. J'ai skip, mais ok, c'est A, c'est parfait, parfait. C'est parfait, c'est parfait. Avec le budget du coup qu'on a, on pourra peut-être aller chercher un dernier joueur. Mais honnêtement, je pense, que notre mercato, il est fait. Je pense que notre mercato, tout simplement, il est fait. Parce qu'on m'a également proposé Abdoul Hamid. C'est un joueur très bas. En plus, il est récemment arrivé. Donc, mercato terminé, sauf revirement de situation. Sauf si on a une offre irrefusable et que tout simplement, j'ai pas le choix, je dois dire oui. Normalement, c'est bon, c'est terminé. Tac. Et je vais le mettre à la place de Petro. Du coup, j'ai plus de défenseur pied gauche pour lancer de ce côté-là, mais honnêtement, c'est pas grave. En plus, je viens de voir, mais il est polyvalent puisqu'il peut également jouer MDC. Il ne prend que moins 1. Donc, moins 1, si je le replace MDC, franchement, ce ne sera, pas dérangeant. Bref, les gars, on se retrouve pour la composition du match face à Laval et ensuite les buts de ce match, vu que je ne vous mets que les buts. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, vous voyez le 11 et mes 7 remplaçants qui sont conduits pour ce match face à Laval. Du coup, Youssouf va effectuer ses débuts avec le maillot vert. Zorgan, je le remets titulaire à la place de Lobry. Zorgan, il a fait un très bon match dernièrement face à Grenoble. Je le remets. Al-Mouezzali devant, je lui redonne une énième chance. Même s'il est plutôt décevant. Bangoura à droite, il a fait un très bon match face à Grenoble, donc je le laisse. Et puis voilà. Après, sur le banc, je mets Friedrich. J'ai envie de le revoir jouer. Dieye, il peut apporter de la vitesse en fin de match. Ça peut être très intéressant. Je mets Sourlis également sur le banc. Quand je l'ai mis titulaire, il était plutôt décevant. Mais j'ai envie de le revoir jouer. Mais comme j'ai pas envie de le mettre titulaire, tout simplement, je le mets sur la touche. Et il rentrera certainement dans ce match. Bref, les gars, je vous mets tout de suite les buts de ce match. S'il y en a, bien évidemment. Allez, à tout de suite. Pour Thomas, mon conduit. Allez, mon conduit. Avec Cafaro. Zorgan pour Crasso qui frappe et l'ouverture du score. Signé Jean-Philippe Crasso à la 34e minute de jeu. Ça fait extrêmement plaisir, ça. On ouvre le score par intermédiaire de Zippé. Il n'a pas énormément marqué. En plus, je me demande si c'est même pas peut-être son premier but. Je sais plus. Je sais plus. Et si c'est son premier but de la saison. Parce que j'avais un doute, parce que je sais qu'il avait inscrit un doublé sur le premier match de championnat, mais c'était sur le deuxième épisode. C'était sur la carrière d'avant, vu que j'ai dû recommencer. Enfin bref. Et je savais les. Je savais plus. Plus. Ouais. Je savais plus. Je ne parle n'importe comment. Je ne savais plus s'il avait marqué sur cette carrière-là. Eh bien, la réponse est non. Premier but de la saison pour Jean-Philippe Crasso. Ça fait 1-0 et à noter qu'on défend plutôt bien une nouvelle fois sur ce match. Et Al-Mouezzali, dommage, c'est contré par Baudry. Attention la frappe, l'égalisation d'Enchobi. Oh non, on n'a pas le droit. En plus, pile à la fin du temps additionnel, on défend bien. Et là, il y a un trou. Et il arme sa frappe, il enroule pile dans ce trou. Et ça finit dans le petit filet d'Étienne Green. Je suis dégoûté. Parce que, comme je vous l'ai dit quand je commentais après le but, vraiment défensivement, c'était très pop, très propre. Et Youssouf, d'ailleurs, réalise un très bon match. Hein. À la relance, il a une très très bonne qualité de passe. Ça nous a permis de ressortir pas mal de ballons. Mais vraiment, je suis dégoûté là qu'on se fasse égaliser comme ça à la dernière minute, enfin à la seule minute, à la fin de la seule minute du temps additionnel. Ouais, bref, j'ai pas les mots, je suis
Dégoûté, bien joué, Bangoura. Zorgan, il avance. Allez, Zorgan, avec Jean-Philippe Crasso. Pour Cafaro, qui centre sur Zorgan la tête. Et oui, on reprend enfin l'avantage à la 83e minute de jeu. Et le but de Zorgan, ça fait extrêmement plaisir. Parce que je vous le promets, je vous le jure. Ce match, si on le perd, je suis dégoûté. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est même pas dégoûté. C'est si je démissionne de mon poste d'entraîneur. Parce que on n'a pas la chance avec nous. On n'a pas la réussite avec nous dans ce match. Je vous le dis, il y a Cafaro qui fait un poteau. Il y a le gardien de Laval, là, Sauvage. Il sort des arrêts sur des frappes de Al-Mouazzali et de Crasso, mais des arrêts juste impressionnants. Parce que là, Al-Mouazzali sur ce match, je vous le dis, je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Vraiment, il met des frappes magnifiques. Et Sauvage, il sort tout. Il sort tout, Sauvage. Il est monstrueux dans ce match. Bref, voilà 89e minute de jeu. Je fais pas de coupure. On reste ensemble. Maçon, bien joué, Maçon. Attention, ouais, la touche. Attention à ne pas prendre d'un but à la dernière minute. On a déjà fait ça à la dernière minute tout à l'heure. Youssouf qui se trouve. La parade d'Etienne Greno, elle est magnifique celle-ci. Oh, elle est magnifique, et le gardien. Sauvage qui est monté. Sauvage qui est monté. Bangoura de la tête. C'est bien joué. Bien joué, Youssouf, Masson. C'est bon. On s'impose. Deuxième victoire en deux matchs. Face à Laval cette fois-ci. Et clairement, on s'est fait très peur dans ce match. Vous le voyez, 15 tirs pour seulement 2 buts. Clairement, on n'avait pas le réalisme avec nous. Mais on n'avait pas la réussite non plus. On n'avait pas la réussite, mais c'est sûr qu'on n'était pas non plus réaliste devant le but. Enfin bref, les 3 points sont là. Et c'est le principal. Comment allez-vous gérer ce début décevant? Il faut parfois du temps pour s'adapter, mais c'est pas un début décevant quand même. Vous avez marqué le but décisif, que dire-vous de ce match? On est tourné vers notre prochain match maintenant. On ne pense plus à ce match-là. On a pris les 3 points. C'est bon. On oublie ce qui s'est passé et on avance vers notre prochain match qui est face à Bastia d'ailleurs. Une réaction après ce résultat, on joue pour gagner. On joue pour gagner chaque match, on y va avec l'ambition de revenir avec les 3 points et ce sera comme ça sur tous les matchs. Comme disent beaucoup d'entraîneurs, chaque match c'est comme si c'était une finale et on y va pour gagner. Tout simplement, vous l'avez vu, il y a une offre de prêt pour Friedrich, tout simplement. Non, Friedrich, il reste avec nous, je préfère le garder avec moi, il pourra nous être utile. Donc, voilà. Bref, les gars, on se retrouve pour le match à Bastia. Et d'ailleurs, je vous le dis, je suis désolé. Il n'y aura pas 4 matchs dans cette vidéo. Donc, je vais vous faire un résumé pour le match face à Bastia. Manque de temps parce qu'il faut aussi que je tourne d'autres épisodes. Donc, voilà. Mais seulement 3 matchs. Mais il y aura aussi eu légèrement, très légèrement du mercato. Mais voilà, bref. Les gars, on se retrouve pour la composition et le résumé du match face à Bastia. À tout de suite. Allez, les gars, on est parti pour ce match face au SC Bastia. C'est pratiquement la même composition que lors du match précédent. Seul petit changement, je donne du temps de jeu à Bakayoko. On est face à un adversaire un peu plus faible. J'espère que je ne vais pas le regretter. Mais Bakayoko, c'est vraiment un joueur sur qui je compte à l'avenir. Donc, faut lui donner du temps de jeu. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, après sur le banc, vous pouvez le remarquer, on a pratiquement que des jeunes. D'ailleurs, pardon. Voilà. Bouchoirie va être titulaire également. Bref, les gars, je vous laisse le résumé et ensuite on se retrouve pour l'outro de cette vidéo. A tout de suite. Je vous jure, les gars, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je viens de tourner l'outro. Et je vois pas quoi, je vois que en fait au moment où je cut l'outro, je vois que ça lance pour que je tourne. Donc je me suis aperçu que j'avais pas lancé pour le match. On s'est imposé 4-1 face à Bastia, on prend un but à la 87e. Donc justement, je vous dis que je pète un câble parce que je prends un but à la 87e alors qu'on tient tout le match. Énorme match de Briançon en défense centrale. Très bon match devant. Al-Mouazzali justement, plus il claque un doublé, il fait un excellent match. Enfin,
suis juste dégoûté, les gars. Je suis juste dégoûté. Et on a un but. Je sais plus qui sont les buteurs. Attendez, je vais regarder le classement des buteurs. Je crois aussi il y a le premier but de Cafaro, justement, qui met une magnifique enroulée. On a également un but de Della Gigi. Ouais, but Della Gigi qui rentre. Il frappe croisé, magnifique. Ça rentre. Je suis dégoûté. Bon, les gars, honnêtement, je sais pas comment je m'en sortir au montage. Puisque j'ai fait la grosse boulette de ne pas rec le dernier match. Bref, au montage, à mon avis, ça va donner n'importe quoi. Puisque là, j'avais pas pu tourner pendant quelques temps. Donc, je tourne ce dernier match de la vidéo. Je crois que ça doit faire bien une semaine que j'ai tourné la vidéo. Ça doit faire une. Là, aujourd'hui, je crois que ça fait une semaine que j'ai tourné la vidéo. Enfin, bref, les gars. Je sais plus, je sais pas comment ça va donner au montage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour me faire pardonner, eh ben, je fais un dernier match dans cette vidéo. Du coup, vous verrez la vidéo avec une semaine une semaine de retard, pardon. Et je m'en excuse entièrement. Je suis vraiment désolé parce que normalement, bah, c'est une vidéo par semaine de synthé. Et là, bah, j'ai clairement pas respecté. Donc voilà. Bref. Au montage, du coup, je disais ça a donné n'importe quoi, certainement, puisque tout simplement, à mon avis, je vais certainement cut l'outro que j'avais fait pour vous laisser juste le moment où j'explique le match. Je sais plus si j'avais fait une séquence où j'expliquais le match, enfin bref. En tout cas, excusez-moi si ça donne un truc vraiment cataclysmique, si on peut utiliser ce mot-là. Je pense qu'il irait assez bien avec cette fin de vidéo. Bref, les gars, on part pour ce match face à Valenciennes à Geoffroy Guichard. J'ai pas trop de temps, donc j'ai mis un match de 3 minutes. Ça va être mon premier match de 3 minutes. J'espère que ça va quand même aller. La défense, on part sur. Enfin, plutôt le dispositif, on part sur un 4-3-2-1 ou comme vous voulez, un 4-5-1. Moi j'appellerais plus un 4-5-1 avec Palencia Masson moins offensif, un gros bloc au milieu de terrain, Bouchouari, Moncondis, Organe, ça risque d'être solide. Pinter Cafaro, je vais leur faire confiance, Crasso devant. Donc voilà, un effectif assez intéressant tout de même. Sur le banc, j'ai mis Friedrich, j'ai mis de Aimanaki, Diaye, j'ai mis Louis Mouton, Mathis Saban qui d'habitude n'est pas sur le banc, j'ai préféré le mettre, je sais pas, sur ce match, pourquoi pas le faire rentrer? Gabriel Silva pourrait peut-être rentrer. Après, tout dépend également du déroulement du match. Bref, les gars, je me dépêche. Je vous laisse sur ce avec bah, les moments forts de ce match. À tout de suite. Allez, les gars, on est parti pour ce match. Le coup d'envoi donné par Jean-Philippe Crasso. Je retourne le match. J'avais commencé. Au bout de. Genre, j'étais à la 15e minute de jeu, je menais 1-0 grâce à un but de Lenny Pintor. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais encore une fois pas lancé le rec. Bref, en ce moment, je vous avoue, je fais un gros boulet niveau YouTube. Encore, ça va que. Enfin, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Vous voyez, en 2 semaines, YouTube, je peux vite oublier. Rouler, tu veux. Ouais, non, Crasso, c'est dégueulasse. Bref, en 2 semaines, moi, me connaissant, je peux vite oublier d'appuyer sur la touche rec. Sachant que quand je tourne plus d'une fois par semaine, je l'oublie. Mais ce qui est dommage, c'est quoi? Il y avait une très belle construction. Et il y avait un but très intéressant de Lenny Pintor. Espérons que je puisse renouveler une telle action. Ou en tout cas qu'on puisse mener et gagner surtout dans ce match. Bien joué, Étienne. J'ai eu extrêmement peur. Bref, les gars. Après cette petite parenthèse, je vous laisse avec ce match, mais cette vidéo, je pense que elle sera élue pire vidéo de ma chaîne, ou en tout cas en termes de boulettes, ce sera la vidéo avec le plus de boulettes sur cette chaîne. Bref, les gars, on va rester ensemble juste pour cette action, sauf si ça ne donne rien. Hugo Bonnet qui soit heureusement parce qu'à cette distance du but, normalement, si cadre, on peut prendre très cher. Bref, les gars. Bon visionnage de ces petits moments forts, on va dire. Lenny Pintor, là il y a un réel trou dans la défense. Attention, on va essayer d'en profiter. Mathieu Cafaro qui frappe. Et c'est je bégaye. C'est une ouverture du score de notre numéro 18, Mathieu Cafaro, qui je trouve c'est un joueur vraiment très intéressant. IRL, mais je sais pas, il a. Je sais pas, mais il lui manque un petit truc, mais c'est vraiment dommage parce que Cafaro, ça peut être vraiment un joueur hyper intéressant et un joueur qui de ce niveau qui évolue en Ligue 2, c'est pas tout le joueur qu'on en voit.
parce que vraiment il pourrait être extrêmement intéressant avec Saint-Étienne. Malheureusement, il s'est blessé, donc voilà. Mais voilà, Mathieu Cafaro, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Très bel arrêt d'Etienne Green. Oh non, Debuchy là! Quel arrêt d'Etienne Green! Oh, il est magnifique! On fait une très très mauvaise perte de balle juste à l'entrée de notre surface de réparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos buts? Il y a, je crois que je. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et. Oh non, mais non, mais. C'est catastrophique! C'est même pas moi qui contrôle ça! Et. Qu'il faut le capitaine de Valenciennes qui n'ouvre pas le score mais qui vient égaliser et qui ouvre le compteur de Valenciennes dans ce match. Je suis dégoûté. Comment on peut prendre un but comme ça? Là, clairement, c'est le truc qui vient de te casser le moral. Après, on avait Etienne Green qui avait fait déjà plusieurs grosses parades dans ce match, mais là, quand même, c'est catastrophique. Clairement, c'est catastrophique. Allez, on peut peut-être avoir une dernière occasion avant que la mi-temps soit sifflée avec Jean-Philippe Crasso pour Zorgan. Zorgan, non, il n'a pas le droit de la rater, ça passe et la mi-temps qui va être sifflée. 3 minutes, c'est abusé, ça passe hyper vite. Après, bien évidemment, les gars, d'ailleurs, je repasserai tout le temps sur des matchs de 4 minutes. Là, c'est exceptionnel, c'est juste pour pouvoir vous permettre d'avoir un match en plus à cause de mes petites boulettes. Enfin, petites qui ne sont assez, quand même assez grosses. Puisque la vidéo du coup a été retardée d'une semaine. Enfin bref, voilà, on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc je pourrais parler pendant 10 minutes. Mais c'est pas le but. Et là, il y a une très bonne passe de Benjamin Bouchoiré pour Lenny Pintor qui frappe. Et Lenny Pintor qui nous redonne l'avantage. Ça fait 2 buts à 1. J'ai même pas crié là sur cette action. Je suis resté calme. J'étais en mode un peu rien à foutre. Mais le principal, c'est que ça va au fond. Et ça fait 2 buts à 1 pour les Saint-Étienne. Et la remontada au classement est clairement lancée. Et depuis le début de cet épisode. Et là, on est clairement en train de la confirmer. Et ça fait plaisir d'enfin retrouver un niveau plutôt intéressant. Et c'est que le deuxième match de la saison de Lenny Pintor. Ok. Attention à cette attaque. Non, non. Bien joué, Green. Clairement, quand j'ai vu la passe en retrait, j'ai eu peur qu'on se fasse égaliser dans la foulée. Attention, le corner. Bien joué, Bakayoko. Piccolo. La frappe. Etienne Green. Non, la boulette. Attention, Bakayoko qui sauve le ballon sur la ligne. Et attention, parce que là, on répète trop de petites erreurs qui, à la fin, bah, ça peut nous coûter pas mal de points. Donc, attention à ne pas reproduire ces erreurs à l'avenir. Allez, Benjamin Bouchoirie. Qui tente de loin. Bouchoirie, la parade de l'Arseneur. La frappe était assez molle. En revanche, Gauthier Larsonneur qui dévie la frappe sur sa barre transversale. C'est dommage. Et Crasso, tu sais faire dommage. La parade de Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, d'ailleurs, excellent gardien, des meilleurs dans ce championnat de Ligue 2. Directement, je vais faire des petits changements. Matisse Saba, on va rentrer à la place de Mathieu Cafaro qui réalise un très bon match. Pintor qui réalise aussi un bon match va sortir. Je vais faire rentrer la GDI. Après, au milieu, j'allais dire au mouton. Au milieu, Louis Mouton va rentrer côté gauche à la place de Palencia puisque Masson va repartir sur son côté de prédilection. Je vais faire rentrer Gabriel Silva. Et puis voilà, peut-être faire rentrer un peu plus tard dans le match, dans environ une dizaine de minutes, peut-être juste pour la fin de match, notre petit Friedrich. Voilà, corner beaucoup moins haut. Zorgan s'est bien frappé. La tête de Matisse Saban et la claquette de Gauthier Larsonneur. J'ai failli me tromper de prénom. Avec Ivan Masson pour Benjamin Bouchoirie. Avec Louis Mouton. Là, il y a peut-être une action, Louis Mouton, avec Benjamin Bouchoirie. Benjamin Bouchoir, il faut que Dieye tu reviennes. Et oui, c'est bien joué, Dieye. Pour Crasso, tu finis. Et oui, bien joué, Jean-Philippe. 3-1 et la victoire. Clairement, la victoire se dessine. Même la victoire, on peut le dire, est acquise. Puisque Jean-Philippe Crasso vient inscrire le troisième but. Et on fait le break à la 86e minute de jeu dans ce match. Là, on a pris du temps clairement à construire. Je pense pas vous mettre la totalité de l'attaque, puisque sinon ça va durer quelques temps. Mais on a mis du temps à construire cette action.
Mais on a bien fait, puisque certes on prend notre temps, mais les passes sont bonnes, la construction est lente comme je l'ai dit, mais les passes sont bonnes et à la fin bah, on a une réelle situation et ça va au bout. Et c'est le Nîmes Olympique, que là on voit ça, qui mène 4-3 dans le match face à Laval. Et attention à Hugo Bonnet, là c'est la dernière minute de jeu, Mohamed Kaba qui joue avec Hugo Bonnet, bien joué Briançon, attention ça revient sur Floyd Aïté, l'ancien Bastier, et Bouchoirie qui intercepte mais qui met en touche, et on s'impose 3 buts à 1 dans ce match, ça fait extrêmement plaisir, hein. S'imposer 3-1, clairement un excellent épisode aujourd'hui, un excellent épisode, j'ai hâte de voir le classement, voir à quelle place nous sommes. Puisque là on a quand même pas mal enchaîné et des très bons résultats face à des équipes tout de même intéressantes, pas spécialement des équipes de bas de tableau. Je pense directement à Valenciennes, c'est pas une équipe qui joue le bas de tableau, hein, c'est une équipe qui défend d'ailleurs très bien dans la vraie vie. Après défensivement ils sont un peu plus offensivement c'est un peu plus faible, mais voilà, on remonte provisoirement à la troisième place et c'est une excellente opération puisqu'on est à seulement un petit point du Paris FC, mais attention à Dijon qui est cinquième, donc Dijon peut nous repasser devant, mais ce sera tout niveau Metz c'est quatrième, ok, et Bordeaux 14e. Mais Bordeaux, en cas de victoire, ouais. En cas de victoire, Bordeaux peut repasser 8e. Bref, les gars. Clairement, très bel épisode, puisqu'on arrive à remonter sur le podium. Au bout de 8 journées, pour l'instant, il y a. J'ai rien à conclure. On l'a vu, parce que. Sur 8 matchs, on a fait 2 défaites, un match nul, bon, 5 victoires, certes. Mais il y a eu du positif dans cet épisode. Il y a eu beaucoup de négatifs. Précédemment, donc pour l'instant je préfère ne pas me positionner, on est troisième, c'est très bien, maintenant faut juste avancer, ne plus regarder ce qui est une mauvaise, conserver ce qui a été positif, et voilà, maintenant il nous reste 30 matchs, donc absolument rien de joué, et voilà, en tout cas en tant que Stéphanois on donnera tout pour aller chercher non seulement une montée mais une première place aussi. Pour la confiance, pour l'argent aussi, mais surtout pour quand même principalement pour la montée en Ligue 1, puisque on le sait, Saint-Étienne et la Ligue 2, ça ne va pas ensemble, mais surtout Saint-Étienne va avec la Ligue 1 et Saint-Étienne mérite, et ça va être l'objectif, enfin mérite, je ne sais pas, en tout cas au vu de leur palmarès, oui, mais Saint-Étienne doit aller en Coupe d'Europe, donc ça va être notre mission. Enfin bref, sur ce, les gars, j'espère que vous aurez passé quelques bons instants, quelques bonnes minutes en ma compagnie, tout simplement une bonne vidéo en ma compagnie. J'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. On a passé les 320 abonnés, c'est juste énorme. Ce début de FIFA est énorme et vous êtes énorme. Vous êtes, c'est incroyable. Donc voilà les gars, franchement je vous remercierai jamais assez. Un live est prévu, peut-être pour lundi, les gars, lundi là, deuxième semaine de vacances, on se retrouve peut-être lundi en live. Bref, j'en dis pas plus. N'hésitez pas aussi à aller rejoindre le serveur Discord, c'est hyper important dessus. On discute, on s'éclate, on parle de foot, on parle de FIFA, on parle de tout les gars. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Et voilà, sur ce les gars, bah on se dit à la prochaine pour un prochain épisode, que ce soit avec Saint-Etienne, un prochain live avec Citadella, un prochain épisode avec Milan ou le premier épisode de Leeds. Je sais, vous l'attendez, vous m'en faites part de vos avis sur Leeds, vous me faites part de vos avis sur Leeds, vous me faites part également de votre envie de voir le premier épisode, vous me le dites beaucoup sur Discord. Et ça va arriver très prochainement, ça, cette fois, c'est sûr. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Bref, l'intro, j'ai pas l'outro, pardon, j'ai pas envie qu'elle dure 30 ans. Donc sur ce, les gars, je vous fais des bisous. On se retrouve très prochainement. Et c'était Lutrox. Ciao.